La ressemblance est troublante. Le regard profond, le visage creusé, le même amour des mots et de la littérature. Alexandre Moix, 46 ans, a accepté pour la première fois d'être interviewé sur la polémique autour du dernier livre de son célèbre frère aîné, l'écrivain Yann Moix. Pourquoi vous parlez aujourd'hui? C'est juste pourquoi? Pour laver votre honneur? Rétablir la vérité et cesser qu'il me nuise définitivement. En lui disant, maintenant stop, arrête, t'as été trop loin. Ton roman est un roman, ce n'est pas la vérité. Arrête de salir nos parents, arrête de me nuire. Et à un moment, juste, oublie-moi, oublie-nous, vis ta haine solitaire, invente ta réalité, quelle qu'elle soit, mais dis que c'est un roman. N'en fais pas une réalité absolue, générale, universelle. Dans Orléans, sorti le 21 août dernier, Yann Moix fait le récit d'une enfance brisée et dénonce les violences que ses parents lui auraient fait subir. De la pure invention, selon Alexandre Moix. J'avais l'habitude des sorties de ces romans où à chaque fois mon frère allait un petit peu plus loin, à chaque fois, la dénonciation d'une enfance martyre. Chose qui d'ailleurs lui-même a réfuté, parce que dans un article en 2006 de Libération, il disait lui-même « Je n'ai pas été enfant martyr. J'ai eu une enfance très sévère, mais je n'ai pas été un enfant martyr, comme on appelle un enfant martyr. » Bon. Et puis arrive Orléans, et je vois dans la presse des choses reprises par des journalistes, les bonnes feuilles, et là je tombe des nues. C'est vrai que je me dis « Mais on n'a pas vécu sous le même toit. » C'est-à-dire que ce qu'il dit est totalement inventé, et lui prétend que c'est la vérité, la réalité. Il parle à un moment d'une scène où le père surprend le fils, donc l'enfant en train de jouer du piano. Mmh. Oh, pris d'une haine ex nihilo, comme d'habitude, le père vient, frappe le gamin, prend un marteau, défonce le piano, les touches du piano vont dans tous les sens. Et le piano, il est chez moi. Je l'ai récupéré, mes parents me l'ont donné. Il n'a pas une égratignure. Mes enfants jouent dessus. Il n'a pas une rayure, il n'y a rien. Le piano est là, chez moi. Il raconte après dans son roman que, en fait, le père du roman, sous prétexte qu'il a cauchemardé qu'il a réveillé mon père, il le prend et l'emmène dans la forêt en pleine nuit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'était pas ça. C'était pas ça, la réalité. La réalité, c'est que mon père n'en pouvait plus, que mon frère me batte quasiment toutes les nuits, et me fasse peur, et que j'en ai des angoisses terribles. Donc j'hurlais. Donc mon père se levait, venait chercher mon frère, et le punissait. Mais alors de quelle manière ? Alors évidemment, les punitions n'étaient pas les tortures et les sévices décrites dans le roman qui sont dignes de périodes de guerre, dignes d'interrogatoire de la Gestapo ou de la Stasi. Il y a une scène effroyable que on se demande comment ça peut germer dans l'esprit d'un écrivain. L'enfant, dans le roman, est pris de force par les cheveux par le père. Le père l'envoie dans une baie vitrée. Alors, faudra... Donc, lui fait traverser la baie vitrée. La baie vitrée explose. Il y a du verre partout. Et le père prend l'enfant et le roule dans les tessons de verre. C'est peut-être son ressenti des punitions paternelles, mais elles ressemblaient à quoi, ces punitions? C'était des paires de claques, des coups de pied dans le derrière, des corrections très sévères. Oui, mon frère recevait des raclées. Si vous voulez, mes parents, face à la violence de mon frère, je pense qu'ils m'ont protégé. Je vais vous dire, heureusement que mes parents, en tout cas mon père, heureusement que mon père était là. Pour sévir, pour contenir la violence de mon frère. C'est-à-dire que mon frère aurait peut-être fini par me tuer physiquement. Je me souviendrai à vie de cette scène où, de force, il est venu me chercher. Il m'a empoigné les cheveux. Il m'a pris une fois la main qui m'a mis de force dans les persiennes de notre chambre, donc les persiennes en ferraille, et les a brusquement refermées sur mes doigts. J'en ai vomi de douleur et j'en suis tombé dans les pommes. Le lendemain, j'ai eu tous les ongles qui sont tombés. Donc c'était ce genre de torture.
Il y a même eu quelques fois où il essayait de m'étouffer avec des oreillers. Et je me souviens de la force qu'il avait, je pouvais même pas ressortir de dessous les draps. Il a été mon bourreau. Un enfant comme ça, on l'emmène chez un psychiatre. Je pense que c'est le grand tort de mes parents. C'est fort ce que vous dites, parce que pour vous, votre frère est malade, quoi. Ça relève de la psychiatrie. Je pense que mon frère était un enfant psychotique. On ne peut pas décemment faire ce qu'il m'a fait sans que ça relève de la psychiatrie. Cette malveillance fraternelle, Alexandre Moix affirme en avoir été aussi victime des années plus tard, quand il a voulu devenir écrivain, comme son grand frère. Il y a des frères qui sont dans la mécanique, dans les sports automobiles, dans ce que vous voulez, qui sont boulangers. On était dans la littérature, bon, et dans le cinéma. Ça m'intéressait aussi. Et il voulait être le seul. Et il m'appelait la nuit en me disant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne sois jamais édité, publié, que tu ne fasses jamais rien. Ce sera moi, il n'y aura qu'un Moix sur Terre. Moix, c'est moi. Mon frère aurait eu tout à gagner si, dans son roman, il avait raconté la vérité avec un frère, s'il s'était mis lui-même en situation d'un personnage qui bat son petit frère et qui, du coup, se fait corriger par ses parents derrière, s'il avait pu raconter psychologiquement ce cercle vicieux. Mais il aurait eu le prix Goncourt, il aurait raflé tous les prix. Et peut-être qu'en plus, on se serait rapproché. Après la polémique familiale, Yann Moix fait face à de nouvelles accusations. Le 26 août dernier, l'hebdomadaire L'Express publie des dessins antisémites réalisés par l'écrivain dans sa jeunesse. Alexandre affirme en avoir été le témoin. Mon frère avait 22 ans quand il les a dessinés, rédigés, écrits, inventés. Il en est le seul auteur. J'en étais témoin. Il les écrivait chez mes parents. Je le revois, je l'entends encore dire dans la maison, prononcer ce titre à haute voix, Ushuaïa, Ushuaïa, comme si c'était une vantardise. Il en était extrêmement fier. Donc je l'ai vu, le journal. Je savais que c'était quand même assez grave. Ce ne sont pas des BD, hein, comme il le dit. Ce sont des revues antisémites, négationnistes de la pire espèce. Il dit penser que c'est vous qui êtes à l'origine des fuites de ces dessins et articles antisémites. Est-ce que vous reconnaissez être l'auteur de ces fuites ? Je n'en suis absolument pas responsable. Et j'aurais eu mille occasions d'inonder toute la presse avec les humiliations de mon frère. Je savais les conséquences que ça pouvait avoir, la preuve. J'avais pas envie que ça ait une répercussion sur ma famille, sur mon nom, d'être grillé partout. Parce que mon frère était négationniste et antisémite, vous vous rendez compte, sur une famille. Pour se défendre, Yann Moix accuse aussi son frère d'être proche des milieux d'extrême droite. Ce sont des accusations graves, diffamatoires, attaquables en justice. Je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous avez été un temps proche des mouvements d'extrême droite ? Jamais. Jamais. J'ai toujours été apolitique. La politique m'a jamais vraiment intéressé. Non. Et en plus, il ne me connaît pas, on ne se côtoie pas. Comment peut-il connaître mes opinions ? Savoir ce que je pense, enfin, c'est un non-sens. Je plains mon frère. Je ne lui pardonne pas. Mais quelque part, je le plains. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être hyper malheureux. C'est quelqu'un qui est prisonnier. Prisonnier de lui-même, prisonnier de son passé, prisonnier de son passif, prisonnier de sa haine, prisonnier de sa colère, prisonnier de sa personnalité. On m'a toujours dit, vous vous ressemblez, vous avez les mêmes goûts, un peu le même sens de l'humour. C'est possible. Et j'ai toujours espéré faire des choses avec lui. On aurait pu s'appeler les frères Moix. Il y a les frères Dardenne, il y a les frères... il y en a plein. Les frères Moix. Bon. On aurait vraiment pu s'entendre. On aurait pu faire des choses incroyables.